Et re-bienvenue pour cette grande finale. On n'a pas changé. On n'a pas changé. Avec deux grands joueurs. J'ai fait mon boulot, c'est bon. Nero qui prend son Sephiroth alors qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il prenne Sonic. Mais non. Et contre Wendt, qui nous a montré des dingueries dans ce tournoi. Il s'est réveillé ce matin, il a pris son petit déj, c'était céréales, il s'est dit ok voilà. Ce matin. 48% déjà pour Wendt, tout le monde en fait. Le Big Blue n'est pas attendu. C'est incroyable. Incroyable. Tu t'en vas maintenant. De fou. Bonjour tout le monde, ça n'a pas besoin de ça, qui dit ok, t'as pris cette chance, je te dégage en fait. Bah tu seras une mémoire, frère. Tu seras un souvenir. Ça y est, c'est pour que tu passé. Oula. Attends, parce que le surnom est pas, c'est Pirot, est quand même en train de remonter un peu les pourcents, les combos. Bien quand même. Le qui s'est mis Rao. Le backer qui va arriver. Warren, tu vois. Le faire. Warren étant le meilleur. Et apparemment, ce Nero qui est là. J'ai plus vu. Durant l'appareil. Deux stop, chacun. C'est vraiment du chacun son tour. Oh, c'est vraiment je reconnais son tour. Wow. Non, c'est pas un tour. Oh. Oh. T'es quoi maintenant en finale? Mais ça pour moi. Mais mettez-vous plus de 50% chacun, je sais pas. C'est une folie. Ma belle. C'est un truc de fou ce qui se passe. Il y a un monde où le Lucas, c'est un peu plein. Mais c'est incroyable ce qu'il nous propose. Pour cette grande finale, je pense qu'il y a Non, pas encore. Pas encore. Oh mon dieu. Il a voulu jouer. Il a voulu jouer. Bonjour, mon Spike. Est-ce que ça va être encore comme la. Get Under qui touche. Ok, les deux qui cherchent. Là, on présente vraiment un jeu incroyable sur le stream. Mais c'est vraiment un truc de fou. Wow. Le Big Fire qui est touché. 34% pour Sephiroth. 104% pour Vence. C'est extrêmement tendu, les combos là de Lucha. Lucha qui est under et t'as annulé un des deux qui rosse. Le Big Free. Malheureusement le Big Free a été annulé par la DHF. Chou qui passe pas. Ok, ça va. Si t'as que Lucha, t'es pas. Mais heureusement, ça n'envoie pas. C'est pas tech non plus. Ah, ça t'aide pas du tout là. C'est pas le temps en fait. Le pic est touché à 81%. C'est extrêmement Nero et 0% pour Wens. Il y a 81%. Chacun une vie, c'est la dernière vie du premier match de cette grande finale. C'est tiré là. C'est extensif. En sachant que Wens va devoir gagner 6 matchs hein, pour. C'est clair, parce qu'il vient. 6 Parce qu'il vient. Oh là là, c'est bon. Félicitations. Il a viré tout le reste avec un point. Ah attends. C'est vrai. Ouah, oh, c'est vrai, mais c'est match. 0 to death sur 0 to death. Ah ouais? Oui, vraiment. Vraiment, limite, c'était ça. Premier match, 0 to death de... Enfin, premier stock, 0 to death de Wen. Deuxième stock, bah, pareil. Oui, j'ai un peu de... Ouais, vas-y. Je vais devoir... Et nous revoilà pour ce deuxième match. Les joueurs qui vont prendre leur perso. C'est toi qui gagne pour Nero. Bah il a bien gagné la première game, il peut retenter. Sur quelle map sont-ils? On ne savons pas. On va voir ce que c'est. Et je crois que c'est du destination finale. Comme le dernier match, Final Destination. Finalement c'est un peu le sujet. Big Fire qui a été mis. C'est ça, Final Destination pour la grande finale. Ça m'a mis à 10%. La petite pastille qui a été mise à Lucas. Et Lucas qui l'absorbe sur ce heal. Il s'est pas fait avoir sur le coup. Ah, ça tente le backer. Malheureusement, Sephiroth a un très bon effet. C'est vrai. Ça se compte souvent en ledge. Exactement. Le strap n'est pas la spécialité de notre joueur de Lucas. Ça peut être. Et qu'il a été cherche. 81% côté. Un petit avantage là pour Nero qui fait une très belle faille. Là, c'est qui rentre avec sa portée gigantesque. C'est ça. Qui est en train de. Qui est en train de malmener le Lucas. Bah ça Lucas a pas beaucoup de portée. C'est vrai. C'est compliqué pour lui d'approcher en fait ici qui rentre. Mais quand il approche, il a utilisé des dingues. Exactement. C'est vrai, c'est Tyros, Lucas a des moves plutôt secs. En effet. Et là, c'est compliqué, il y a les deux qui se cherchent, il y a déjà tout le monde, le backer qui est tombé. Le backer
qui est trouvé et qui tue. Mais première stock prise par Nero. On va voir. Donc, avantage là pour Nero en effet. Mais Lucas qui peut tout à fait remonter comme la montrice, mais tellement de fois dans ce sprint. 82% pour Nero, 88 maintenant. Et là, 81 pour Wens. C'est tendu, c'est extrêmement tendu. On va voir la portée. C'était une grande finale. C'est une patience, mais oui. Forcément, là, il y a la tension énorme. Et là, bien joué. Home run. C'est ça, vraiment. C'est perdre coup de bâton. Tu prends ton petit coup de bâton. Et ça, c'est pour le contre qui s'est fait. Et le contre qui touche le mauvais côté, hein. C'était un missing foot en fait, je pense. Je pense que c'était pas volontaire. Non, mon avis, non, c'était volontaire. Il voulait le spike. Il voulait le spike. Okay. Oh le bonjour, la douille. Bien joué, la douille. La douille, le drag down qui tue. Bien joué, bien joué, Jean-Luc Taxi. Tu veux. Le jab. Donc Jean-Luc Taxi, tu veux gagner. Oh là 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 là, mais il nous propose que des dingues. Il nous propose des dingues. Il est trop d'abord. Power spike. T'as pris le dingue. C'est Piros qui a son nail, non? Avec son nail, il est plus fort, il a un saut en plus. Et en plus, il est plus rapide. Il est niveau des déplacements. Et le Raichu! Raichu, il peut être Albi, full chargé. Tellement mal, les amis. Oh, c'est extrêmement tendu. Piqué Fire. Petit avance pour Lucas, finalement. Ce qui n'était pas le temps au début de game. Fire. Lâche attaque. Fait très mal. Le backer. Donc, du coup, backer, tu fais très mal aussi. Mais Raichu, vraiment, quelque chose pour ses exécutions. Oh non, pardon. Le jab du Lucas qui a le meilleur jab du jeu parce qu'il sort hyper vite, les amis. Ah, il y a Little Mac après. Oui, il y a Little Mac, c'est sûr. Little Mac, très mal. Ah, ouais, c'est dingue. Ah, oui, littéralement, très mal. 69% pour Wells. Il est flou, ça passe pas, c'est extrêmement serré, c'est 69% pour Lucas. Ok, rendu. Deuxième match, voilà. Ils est deux. Tout est très important. Remporter ce deuxième match. Là, chaque game est important. Peut-être déjà le Big Thunder et le Big Le Big Floop. Le Big Floop. Piqué prise, piqué floop, on s'en fiche. C'est le même mot. Bien joué. Un partout. Là pour Wens, tout va être hyper important. Parce que si vous pouvez gagner contre Nero, il va gagner 6 fois. Parce qu'il y a deux blocs au 5 là, il vient de l'arme des losers, on le rappelle. Et si jamais il remonte l'arme des losers comme ça, c'est incroyable. Déjà, je pense que son premier objectif, c'est de gagner 3 fois avant de reset. Oui. Parce que là, il a une petite épée de Damoclès au-dessus de sa tête. C'est clair. Il a une vie, il a cédé sa première game d'ailleurs, il a cédé à Nero. Donc là, s'il arrive à prendre deux games en plus, il reset et les deux sont à 0-0. Incroyable. Et nous revoilà sur notre troisième match sur Pokémon 2. Piqué Fire qui a envoyé. Les aussi. La portée contre les combos, j'ai envie de tenir. Enfin, ouais. C'est assez. Là, ça se cherche. Là, franchement, les deux sont du kangourou. Ah, toujours 0-0 entre les deux. Ils sont toujours pas touchés. Ah, si, maintenant. Les premiers. Bien joué. 33% infligé par le Sekiros Genero. 45% maintenant. Est-ce que ça va. Est-ce qu'il va nous proposer ça? Non, quand même pas. Là, 3 games avec. Ouais, il se fait pas du tout toucher, hein. C'est si, c'est quand même. Ah, la commentateur se course, hein. Je pense que les commentateurs ont un impact. Ça donne des piquets prises en offstage. Et là, c'est tendu, hein. Comme à chaque fois, j'ai envie de dire, c'est toujours très tendu au départ. Pour le genre Lucas, c'est quand il est dans la tourmente qu'il se réveille et qu'il vient clutch Wens et qu'il prend en fait. Très bon, une très bonne phase de ah, pour l'instant, Wens, là, il nous régale durant ce tournoi. Eh, franchement, c'est un peu de mais c'est. Franchement, personnellement, je pense que le bagage est W et qui prend la première stop de Wens. Il est le joueur qui a le plus très de hype de ce tournoi, je pense. Yes. Oh là là, attention. Attendez. C'est l'un des rares représentants de son perso et pourtant, c'est incroyable. Franchement, il a pas de manger avec. C'est ça. Il fait Pyrosh. Le big est fou. Comme il est en train de remonter, il est en train de peut-être le 0 to death. Je sais pas voir. Attention, il aurait peut-être dû essayer de le down smash. Il pouvait down smash. Ça l'aurait pas touché, je pense.
Et là, franchement, comme... Mais il a quand même encore remonté finalement. Il s'est pas encore pour cent. Carbonite de jusqu'à la Black Zone. Il était. Mais cuit en fait. Ah, il nous régale. Il est caché en fait. C'est un poulet. Il a son aile, Sephiroth. Un Sephiroth boucané. C'était ça. Avec son aile. Et là, les combos de Lucas. Toujours plus loin. Les deux qui sont. Bah. Insane en fait. C'est vraiment les deux. Tu prends vraiment voilà. De extrêmement belle phase. Ça y est, pas l'air. J'en perds les mots. Ouais, il y a les deux qui se cherchent pour le moment. Les deux qui veulent pas faire d'option trop risquée. Ils sont tous les deux à even pour cent. Ah, plus maintenant. Mais... La position de l'échrape qui est compliquée pour Lucas. C'est plus qui arrive à bien garder à distance. Exactement. Là, c'est compliqué. Le fer qui était tombé. Il me semble que... L'épée de Sephiroth c'est plus mal au centre, il me semble, non? Ça, c'est pour ses coups en tranchant. Les coups des stocks, c'est sur la pointe. Ok. Il a fait un War Spot, c'est quand même pas. Oui. Incroyable, ça c'est bien. Mais c'est pas comme les War Spot de Marte. Eux, ils font un peu mal quand même. Évidemment. Ok, oulala, j'ai une drogue. Ouais. Et là, le spike! Le Sephiroth, c'était vraiment incroyable! Bien joué là, pendant que vous discutez, le spike a... en tout frame. Il nous a dit bon les gars, moi j'ai pas rigolé, prends un petit spike, tranquille, ça fait plaisir. Ah ouais, la portée de l'épée de Sephiroth, ça fait 4 mètres, on rappelle. Bien sûr que là, le lutin il peut pas approcher, ça fait peur en fait, cette épée. Mais, le Sephiroth, la Masamune, t'as peur. Oh, les combos, ça passe pas. Est-ce que Lucas va encore une fois remonter cette vie? Le Zer qui a été pari. Oh, le upper, upper. Il est totalement upper. Tout sur la plateforme en fait. Oui, évidemment, c'est Sephiroth, hein, évidemment. Bien évidemment. Allez. Le piqué glisse, le piqué truc qui fait extrêmement mal, on l'a vu. Mais il va se faire reverse ce gars. Oh, incroyable! Il s'est fait reverse ce gars avec les spikes. Est-ce que attention, est-ce que Clutch Wentz se réveille? Clutch Wentz? Ça fait peur. Oh le spike! Non! Mais quoi? Oh, 41%, c'était vraiment bien joué. Mais il nous fait les trucs de dingue ce soir! Mais en fait, c'est le perso de la hype maintenant en fait, Lucas. Vous le saviez pas, vous pensiez que c'était Falcon? Pas du tout! Falcon, hype! Enfin, mais hype, c'est Lucas incarné! Exactement! Mais Wells qui est aujourd'hui. Non! Dommage pour Wells! 2-1 pour Nero qui prend l'avantage. Et là, ça commence à être vraiment très critique, hein! Essaye! Là ça commence à être critique pour Wentz, hein. Il n'a plus le droit de perdre. Là il faut qu'il gagne absolument ses deux prochaines games. Sinon bah plus de tournoi. Tu vois, il gagne pas la prochaine, il va pas le reste. Je peux pas voir la deuxième partie. Ouais. Ok. Et ça veut mettre des musiques de Persona, non? Ouais, t'es passé devant à gauche. Oui, ça met des musiques de Persona. Ouais ouais. Battle F2, de film égalité NT 4. Ah non. Bah, c'est une grande finale, mais monumentale. J'ai l'impression que tous les matchs que j'ai vus, que j'ai castés, c'était des dingues. Exactement. Ça prend des vraies musiques de Persona, l'univers Persona. Ça va être le de l'univers Persona. Non. Mais gardez vos personnages là, voilà. Ah, ouais, ce qui est hyper chaud là. En plus, il y a le 5. C'est le Rocky. Et on est parti pour cette 4ème game. Le destination finale qui pourrait être décisive. Et là, franchement, ça va être tendu après le voir. Pas surtout pour le joueur Lucas qui va pas faire d'erreur si vous pouvez remporter ce combat. Les backers qui sont trouvés. Le combo. Et là, c'est lui qui met les coups. Attention. Ça peut être dangereux ça. Il détruit dans le troll. Ça fait mal en fait, hein. Ça fait mal le bouclier, ça fait mal quand tu le prends. Le troll et la donner. Il est touché. Il a touché le jab avant qu'il puisse s'activer son counter. Bien joué. Le jab qui est extrêmement rapide, vous l'avez vu la dernière fois. Le piggy. Oh, le piggy qui a failli toucher. Les combos de Nero. C'est serré là. Le fire, c'est le perche. Et c'est extrêmement tendu. Le fer de Sephiroth. 72% pour le Sephiroth, 54% pour le Lucas. Le genre lequel tu vas voir vraiment extrêmement bien joué. Je t'ai pas lire effectivement. Even pour Lucas, il a pris des dégâts. Oui, le Sabre Shield
Ça va que je suis le même 2 à annuler 5. C'est pas bon. Ça fait tellement mal. C'est trop puissant. C'est vrai que bah l'épée, je me suis fait peur pour tout. Ah, l'épée, t'as peur, hein. Il a peur, il est dans le plein. La meilleure portée du jeu, hein. Ah, maintenant, je comprends pourquoi. Maintenant, Cloud, il a un syndrome post-traumatique, hein. Super, hein. Bon, mais. Ouh, ça donne des up smash comme ça, dans le neutral, pour catch l'ennemi de Sephiroth. Sephiroth qui a son aide, effectivement, il y a un troisième saut maintenant. Le poulet, est-ce qu'il va se faire carboniser encore une fois? C'est un truc que vous connaissez. Un poulet rôti ou pas? Attention. Sephiroth, il est très tôt avec ton aile. Ça fait peur, hein. Ah, l'aile t'as peur, hein. Oh là là, le père qu'on a pu tuer. Et là, il était qu'il va devoir se réveiller, s'il veut pas prendre, perdre cette vie, s'il veut pas perdre le tournoi, il a plus le droit à l'erreur. T'as dit qu'il vit que des honneurs, oh, le mec shift, t'as dit qu'il ne pas parce qu'il ne bouge pas le bon endroit. Il a joué le. Il laisse garde avec le ticket fire, et ça tente le down smash, mais ça réussit pas. Oh le il va achever. Ok, est-ce qu'il a son envie? Est-ce que c'est le départ d'Armitada? Est-ce que c'est pas. Wentz bon. Fresh Wentz. Oui, parce que Wentz box, c'est pas encore. Ça n'a aucun sens. Wentz quoi? Box. Comment des box? Ah là là, c'est compliqué. Wow. Attention, hein, 22%, les deux joueurs, comment ils veulent là? Un niveau. Au niveau des pourcents, c'est pas ce cap. Ouais, c'est ça. Ce cap, là, c'est un bon coup, il a été tué, parce que le cap va devoir trouver les ouvertures, trouver les options. Trouver des combos pour pouvoir remonter cette stuff. Et il nous a déjà montré plein de fois qu'il y a. Bah, j'ai vraiment entendu. On n'ose pas s'approcher d'un Lucas, hein, du côté de Nero. Enfin, si, mais. On n'ose pas trop s'approcher. T'as catch le up B hein, qui est rebondi contre le stage. Oh, est-ce que ça a pu lui? Ah, il est allé le tuer. Là, ça revient sur 32%. Très précieux. Très bien joué. Le ticket freeze qui a été tenté. Oh, le run. Il le remonte avec en train de se faire. Il a un avantage très léger. Le backer qui a été tenté. 0-0. Là, c'est très tendu pour Jean-Luc. Là, c'est sa dernière. Une tendance chacun. Il peut encore le faire. Il peut encore. La pastille qui a été mise sur le Lucas. Elle fait peur. Elle fait montrer des combos. Le boulet d'un qui a été contré mais pas suffisamment. Oh, il a été encore contré. Il a été encore contré. Non, ah, non, pas encore. Ça va. Ce n'est pas encore la fin pour ce jeu. Pour le 24% à 11. Merci les contres. Il a failli tuer. Ça tente. Il a failli breakshield, pardon. Bah, non, ouais, il a failli tuer, oui, je sais, mais bon. Ça tente de breakshield, hein. Le bouclier de Lucas, il est pas très grand, il est monumental. Il est pas trop gros son bouclier. Non, non. Quel dommage. J'aurais pu air dodge. Et félicitations à Nero. C'est joué. Gagne cette weekly. Eh, va pour top 2, c'est bon là. Avec Sephiroth top 2. Top 2, Wells qui ne l'aura jamais. Il n'y aura pas de mérite.